va savoir s'ils vont pas rejoindre le giron russe. Avec les Algériens, avec va savoir s'ils vont pas rejoindre cette fameuse BRICS. Alors Tu sais, Inch'Allah, bah c'est... Inch'Allah bientôt la BRICSA, avec nos frères et tout Algériens. Mais la BRICS, attention, ce que les Russes y sont en train de faire, attention. Moi je t'ai dit, là il a refait la guerre Poutine en déclarant qu'il a trouvé un vaccin contre le cancer, en récupérant des colonies, il est en train de les rendre fous. Wallah, je sais pas qui c'est qui le conseille, mais qui c'est qui va avoir après Poutine? Moi c'est ça qui me rend fou. C'est ça qui me rend fou. C'est très compliqué. Il faut savoir que là, il va y avoir des élections en Russie là dans pas longtemps. Enfin bref, en fait, ce qu'il y a, c'est que Poutine, là, j'ai Ah mais l'impression mort de qu'à l'heure rire, il actuelle. y a des gens qui me disent, ouais, mais alors, Comores, c'est des musulmans. Et alors, Poutine, c'est le seul président au monde qui n'est pas musulman. Quand on l'a interviewé en lui disant Salam alaikum, il a répondu Alaikum salam. C'est tout. J'ai envie de te dire, c'est pas en France que tu vas entendre ça. En France, tu dis Salam alaikum en conférence de presse. Gérard Darmanin, il monte dans sa voiture, il fait Paris-Nîmes, il t'expulse. Non mais tu rigoles ou quoi, toi? Attends. Mais tu rigoles, Das Vidania, camarade. Bah oui, bien sûr. En tout cas, et touristiquement. Donc, tu connais pas Moscou, toi? Non, je connais Saint-Pétersbourg un peu parce que j'y ai travaillé Ça un doit être petit peu. super beau. Moi, ouais, c'est magnifique. C'est des pays, tu vois, c'est comme tu parlais de l'Adriatique tout à l'heure. Bon, moi, en fait, ton live, je le suis depuis pas longtemps. Moi, je t'ai connu par rapport à tes reviews sur les voitures. Ouais, Voilà. merci. Ouais, on va reprendre bientôt là. On va reprendre bientôt, on a Voilà. tellement de voitures à faire. Eh ben tu sais quoi? Il y a une voiture que j'aimerais bien faire, c'est la Lada Niva. La fameuse Lada Niva. Lada Niva, la fameuse, le 4x4 russe, indestructible. Attention ça. Lada Exactement. Niva, tu le jetais d'une falaise, il revenait sur ses roues. Normal. Et Normal. moi, mon père, il en avait une quand Ah. tu mettais le chauffage. Quand tu mettais le chauffage, t'avais les flammes qui sortaient de la bouche d'aération, tu sais. Exactement, et il y avait aussi 5 ans pour en avoir une. 5 piges. Ouais, 5 ouais, piges. Alors, en tout cas, c'est bien. Merci beaucoup de nous avoir donné des informations sur la Russie. Merci beaucoup. Prends soin de toi, mon frère. Alors, donc, c'est bien lui, alors. C'est bien lui de qui on parle, là. C'est lui, Mortadon. Mort de rire. Pourquoi il dit, demande à Mortadon. Il fait plein d'S, non, Mortadon. Alors. Allô? ouais, c'est ma com.